situé sur les confins de la Hollande et de l'Allemagne, sur laquelle devaient s'abattre les foudres de la guerre. La fureur et le bruit se sont calmés. Le Rhin coule à nouveau ses eaux paisibles, pures à présent du sang versé pour la garde du pont. Le pont, voilà tout ce qui reste du pont pour lequel se bâtir avec la fureur du désespoir. Ces vaillants soldats qui descendirent du ciel légèrement équipés comme doivent l'être des parachutistes, croyant se battre pendant quelques heures, mais qui durent lutter des jours et des jours contre les chars et les armes lourdes des Boches. Pour nous, patriotes hollandais, l'hôpital Sainte-Élisabeth est devenu un monument symbolisant le dévouement de nos médecins et de nos infirmières, qui livrèrent un combat différent, celui de la sauvegarde des vies humaines. L'église du village d'Osterbeek, où jadis nos familles passaient de paisibles dimanches. Là, les soldats britanniques livrèrent de furieux corps à corps, au milieu des livres sacrés et des décombres. Chaque petite rue a eu sa part de combat au cours de cette vaillante lutte pour la liberté. Le joyeux hôtel Tafelberg, il changea de rôle et devint le principal poste de secours. L'hôtel Hartenstein, c'est là qu'étaient établis les états-majors divisionnaires et où se livrèrent les derniers combats. Et maintenant, tandis que le temps fait de son mieux pour faire disparaître les traces de la guerre, les gens de la terre préparent une nouvelle moisson. Et les fils des foyers britanniques dorment en paix, afin qu'un monde libre puisse enfin vivre. En septembre 1944, Arnhem n'était pour les troupes aéroportées britanniques qu'un simple nom sur une carte. Une ville avec un pont à 96 km derrière les lignes ennemies. Sur les aérodromes de Grande-Bretagne, des hommes devaient être renseignés sur le rôle qu'ils allaient jouer dans la plus grande opération de parachutage de l'histoire. L'armée aéroportée, composée de deux divisions américaines et d'une division britannique, placé sous le commandement du général Boy Browning, devait faire une attaque de surprise derrière les lignes ennemies, s'emparer des ponts sur la Meuse, le Waal, le Rhin inférieur, et ouvrir une brèche donnant sur les plaines de l'Allemagne du Nord. La première division aéroportée britannique devait se poser au nord du Rhin inférieur et prendre le pont d'Arnhem, c'est-à-dire le point le plus au nord de l'audacieux plan du maréchal Montgomery. Au sud, les troupes aéroportées devaient s'emparer des ponts situés sur le Waal à Nimègue,